avait pas de traces littéraires de la colonisation et que c'était hors corpus. Or, en fait, il y a là où on ne s'attend pas, c'est-à-dire dans le roman populaire, mais ce roman populaire est clairement fait par des hyper-lettrés. Alors, c'est au fond la technique du feuilleton. Chaque chapitre a dû avoir des parutions dans les journaux, avec illustration. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les futurs grands artistes de la fin du siècle, par exemple Gaillard, et que ça fonctionne sur un double type de narration, l'information scientifique et technique très développée. On constate notamment que Léopold II savait très bien ce qu'il allait faire sur le Katanga, c'est dans ce texte, et en même temps une sorte de narration picaresque, rocambolesque, on pourrait dire, qui est au fond une vieille tradition nationale, puisque c'est celle de l'Island Speaker. La colonie est présentée, elle n'est pas encore désignée comme colonie, mais enfin, c'est le moment de la création de l'État indépendant du Congo, et le texte dit clairement, allez-y, c'est beaucoup plus intéressant que crever de faim en Wallonie. Or, c'est quand même le moment où la troupe a tiré sur les grèves de 86. Et les lions sont beaucoup moins dangereux qu'on ne le dit. Et il y a tout là-bas, la Californie, c'est rien à côté. Le récit est en fait, de façon fictionnelle, la légitimation de l'entreprise léopoldienne, donc le Portugais, qui avait des droits sur les sources de l'embouchure, est présenté comme le soutien des esclavagistes, et qu'en même temps, celui qui est le héros principal est une sorte de double d'Eulenspiegel, de double encore plus caricatural, marqué par la zouance, plein, je dirais, d'une sorte de dérision par rapport à lui-même, mais qui fait que finalement, la colonisation belge n'est pas assumée comme telle, elle n'est pas dite comme telle, mais elle est présentée, ce que le discours d'ailleurs léopoldien fera à travers toutes les sociétés qu'il va créer, comme étant en fait une entreprise non seulement humanitaire, mais aussi une entreprise légitime par rapport aux Noirs. Et donc je trouve ce qui est intéressant, c'est que ce roman complètement occulté donne à voir et à lire tout ce qui sont les caractéristiques de notre entreprise coloniale, de notre tradition culturelle à travers la dérision et l'Eulenspiegel, et aussi de notre stratification sociale qui est celle d'un vieux pays qui n'a pas de bourgeoisie nationale. La bonne définition de la littérature coloniale, la plus simple en tout cas, consiste à l'identifier par le lieu et par l'époque dont qu'elle évoque d'une manière assez réaliste en général. C'est donc une littérature qui a trait aux colonies, disons depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à l'époque des indépendances, et qui évoque donc les situations de contact, de domination, de rencontres éventuelles entre milieux, entre cultures, entre identités différentes, pendant cette période et dans les pays dominés par les puissances occidentales de l'époque. Oudinji est un curieux roman dont on n'est même pas sûr qu'il ait été écrit par son auteur, Charles Cudel. Il est possible qu'il ait simplement recopié une partie des lettres de son frère. C'est donc un roman à plusieurs mains, sans doute, où l'on voit un envoyé, un représentant qui figure la Belgique coloniale des débuts, céder aux tentations exotiques de l'Afrique, citer d'ailleurs abondamment la littérature parnassienne du romantisme à cet égard. Ce représentant, on le voit devenir amoureux de l'Afrique, en la personne d'une jeune Africaine, et puis finalement, on le voit renoncer à l'Afrique, on le voit rêver d'un retour en Belgique, dans son vrai lieu, où on le rappelle. Au fond, c'est un roman qui exprime assez bien la tension qui sera vécue jusqu'à la fin dans la littérature coloniale et par au-delà dans les mentalités coloniales. Cette tension entre un lieu par lequel on est relativement fasciné et un vrai lieu où l'on pense que se trouverait sa vraie identité, où l'on doit faire un retour, entre guillemets, naturel. Déjà, tout cela se trouve dans Oudinji. Alors, ce qu'il faut évidemment remarquer aussi, c'est la date. 1905, en gros,
grand moment symboliste est terminé, la conquête est achevée, la campagne anglo-américaine de dénonciation des excès de l'exploitation, notamment du caoutchouc et des mains coupées, est en route. L'État indépendant a fait son œuvre de conquête, sans le dire, pour la Belgique. Léopold II va céder, cette fois-ci réellement, le Congo à la Belgique. On va entrer dans la colonisation proprement dite, et quelque part, ce premier roman colonial dit le début de la colonie proprement dite d'exploitation, tout en disant encore la fin de l'aspect, entre guillemets, héroïque de la conquête. Le personnage central est quand même encore un aventurier, quoiqu'étant déjà un employé. Barra Barra, recueil de nouvelles de Pierre Reckmans, personnage clé de notre histoire coloniale, qui fut tour à tour administrateur, résident et vice-gouverneur du Congo belge. Un itinéraire de plus de 30 ans qui s'ouvre en septembre 1915, à l'heure des campagnes africaines de 14-18. Barra Barra, c'est la route. C'est le nom qu'on donne à la route. Et c'est à travers le récit de la construction d'une route que Reckmans nous décrit en fait les caractéristiques de l'administration coloniale belge, et en particulier dans la région du Rwanda et du Burundi. D'abord, on constate qu'il y a un système qu'on appelle un système d'administration indirecte. On gère le pays, on tente de gérer le pays à travers les autorités politiques, judiciaires et administratives locales, indigènes, comme on les appelait à l'époque. On les maintient, mais on les transforme profondément. Et en fait, en les utilisant, on en fait des agents de l'administration coloniale. Et il ne s'agit donc plus vraiment d'administration indigène. On les utilise essentiellement pour conférer de la légitimité aux interventions de l'administration coloniale. Un deuxième élément, et qui est très typique pour l'administration belge, c'est qu'on y découvre une administration territoriale très itinérante, très présente sur le terrain, intervenant dans les moindres détails, et cela déjà est contraire au principe de l'administration indirecte, en fait. C'était tellement pointilleux, tellement intervenant, que les Britanniques du territoire voisin, du Tanganyika, l'appelaient parfois une administration de grand-mère. Un autre élément qui est très lié à cet élément-là, et là on retrouve cette caractéristique également au Congo belge, c'est cette double caractéristique complémentaire et pas contradictoire en fait, qui est d'une part le paternalisme et d'autre part la générosité. Et on le trouve d'ailleurs dans le titre d'un autre ouvrage de Pierre Reckmans qui est intitulé « Dominer pour servir ». En fin de compte, on ne fait pas trop confiance aux indigènes. Et on veut faire leur bonheur. Malgré eux, s'il le faut, il faut les amener à un statut idéal. Il faut remplir cette grande mission civilisatrice avec majuscule G, M et C. Et enfin, et peut-être surtout, parce que là, les effets se font encore sentir aujourd'hui en Afrique et notamment au Burundi, Barra Barra, la route, c'est également la modernité. Le sentier est indigène, il est spontané, il est organique, il naît, il vit et il meurt. Alors que la route est européenne, elle est artificielle, elle est créée, planifiée, elle ne vit pas vraiment. Il y a un dicton dans la région des Grands Lacs qui dit « Umuhanda wakui umuhango », ça veut dire « la route a supprimé la coutume ». Et en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit, c'est la modernité européenne qui a, pendant cette période-là, remplacé les valeurs africaines. En résumant, je dirais que, écrit d'une façon très intelligente et très attrayante, Reckmans nous décrit ici tous les traits saillants de la colonisation belge, cette œuvre de conquête qu'on a vécue ailleurs en Afrique également, mais cette œuvre de conquête qui a laissé des traces profondes en Afrique et notamment au Burundi. Et puis, on est en train d'installer la future colonie modèle qu'a lieu le premier conflit mondial, où des Blancs, ces Blancs perçus quand même pas comme des extraterrestres, mais quelque chose, même le soulier n'était pas connu, se battent entre eux, et pour se battre entre eux, ils ont besoin des troupes noires. Donc, le noir désidéalise le Blanc, et en plus, a été un élément décisif de la victoire belge en Afrique. Côté belge proprement dit, on voit surgir dans les années 20 une série de textes tout à fait singuliers qui démontrent que les Belges ont le sentiment que cette colonisation fabuleuse, un peu comme celle des Portugais en Orient, pourrait bien ne pas durer très longtemps.
puisqu'elle est déjà contestée et que sans doute elle n'a pas eu le temps de son assise et de son emprise. Dans l'ouvrage « L'Afrique centrale dans 100 ans », deux personnages principaux se promènent en Afrique. Le premier, c'est Cobourg, descendant de Léopold II et professeur de colonisation à Léopoldville. Personnage un peu désabusé, un peu cynique et en même temps informé, auquel probablement Salquin prête ses propres idées. Et un jeune homme, Hanovre, apparenté à la famille royale britannique, qui découvre le Congo et qui profite en quelque sorte de la visite guidée par un professeur de colonisation. Alors, le Congo de cette époque est riche. Il est urbanisé, il est industrialisé. Il y a, je crois, 40 ou 50 usines métallurgiques, autant en chimie. Mais il est surtout partagé entre deux mondes, le monde urbain, cosmopolite, où il y a aussi 50 000 Asiatiques, des Hindous, des Israélites, des musulmans. Enfin, c'est une grande foire culturelle. Et par ailleurs, les brousses qui sont restées authentiquement bantous et finalement peu touchées par le processus colonial. Alors, au niveau politique, ça se traduit par l'opposition entre des évolués ou des super évolués, puisqu'on est en 2020, qui acceptent et veulent approfondir l'européanisation du continent, et un mouvement nationaliste syncrétique religieux qui veut retourner à la fois aux racines bantoues et qui est, je dirais, animé par un intellectuel Toumba. Ce Toumba, en fait, a été un intellectuel formé dans les universités européennes et est retourné à une vie quasi monacale. Et Salquin l'appelle le moine bantou. Ce mouvement est à l'origine, en fait, une interprétation que Salquin a dû faire du mouvement kimbanguiste et d'autres mouvements aussi qui avaient eu lieu en Rhodésie du Nord. Et c'est une bonne interprétation, dans le fond, c'est une bonne anticipation sur le caractère syncrétique des mouvements culturels africains et aussi de l'omniprésence du sacré et du religieux dans ces mouvements. Mais c'est aussi un livre extraordinaire dans la mesure où à la fois on a un ethnologue, magistrat, auteur qui découvre et reconnaît la positivité, la valeur et la permanence des sociétés bantoues, mais c'est immédiatement pour prôner une ségrégation stricte. Et ce n'est pas seulement une ségrégation visant à sauver les Européens, mais aussi les Bantous. C'est-à-dire que le personnage repoussoir par excellence chez Salquin, c'est l'évolué et le métis. Donc tout ce qui symbolise le rapprochement des deux cultures, rapprochement à ses yeux totalement impossible, sont toujours des personnages repoussoirs. Et l'évolué en particulier, c'est le noir à lunettes, le noir endimanché, etc. La négresse drapée de manière grotesque dans des vêtements européens, trop grands, trop larges, etc. Donc il y a chez Salquin cette conscience très profonde que les mondes sont impossibles à rapprocher. Salquin, ce qui est évidemment symptomatique, c'est un magistrat. Et donc il est en contact avec les Noirs à travers ses fonctions. Mais Madeleine Papigny est vraiment un exploiteur colonial. C'est d'ailleurs un homme qui va diriger, je crois, si je ne me trompe pas, les mines de Kilomoto. Et ce qui est frappant, c'est que chez cet homme, où toutes les tares du colonialisme sont aussi visibles, dans ses récits presque écrits au vitriol, où d'ailleurs la ménagère noire commence à prendre vraiment figure, eh bien il y a une préface singulière où on perçoit très bien que dans ce champ économique, on se rend compte que la colonie d'exploitation n'est pas assurée et qu'il faut en tout cas rapidement tirer les bénéfices et peut-être quand même prendre l'une ou l'autre mesure si l'on veut éviter la catastrophe. Bon, les mesures, évidemment, vu l'idéologie de Madeleine Papigny, c'est de désétatiser. Et donc je pense que c'est un deuxième type de perception d'une modification consécutive à la Première Guerre mondiale. La crise de la fin des années 20 et surtout des années 30 portera l'administration coloniale à innover ou à prendre un certain nombre de mesures en termes de politique agricole, notamment par l'établissement ou l'encouragement d'un paysannat local, un paysannat noir. Donc des terres seront distribuées. Bien entendu, ce ne seront pas les meilleures terres, donc ce sont les terres les plus douteuses du point de vue de la rentabilité. Mais bref, des terres sont données ou distribuées. Elles sont destinées à des plantes qui sont des plantes industrielles, donc des plantes destinées à un marché extérieur. Et ni les techniques, ni les plantes cultivées, ni la nature du marché ne relèvent, bien entendu, d'une quelconque maîtrise de ce paysannat qu'on tente d'établir. Donc cette politique sera un échec.
voit aussi commencer, je dirais, une sorte de littérature d'édification sur la colonie, dont le livre de Madame Rancy, Tante Julia découvre le Congo, est un bel exemple, et d'autant plus significatif, qu'il est illustré d'assez beaux croquis, enfin de vignettes, dues au peintre Alard Olivier. Quelque part, on peut dire que le roman, enfin le récit Tintin en Congo, fait partie de cette littérature d'édification, sauf que chez Rancy, il y a une connaissance relative du terrain, tandis que chez Tintin, chez Hergé, dans cet album, commandité d'ailleurs par l'abbé Wallet, on est vraiment dans le cliché. Et là, on a donc au fond un témoignage assez extraordinaire de l'idéologie, je dirais, sous-jacente de la colonie au sein de la population belge, avec tout le côté bon enfant, paternaliste, mais aussi avec le mépris des Noirs implicite qui est quand même véhiculé à travers cette bande dessinée. Et là-dedans, il y a quelque chose qui tranche, évidemment, c'est Simon. Alors, première chose, Simenon dit bien sincèrement qu'il haïssait l'Afrique. Ah oui, il le dit en toutes lettres dans ce reportage qu'il publie dans un journal belge en 1932. J'ai quitté l'Afrique en la haïssant. Donc les choses sont claires. Il regarde cette Afrique sans aucune espèce d'affinité. Ça, c'est clair. Mais ce qui est passionnant, c'est que son regard se tourne aussi bien sur les blancs que sur les noirs, et son regard sur les blancs est d'une subtilité infiniment plus grande que celui qu'il porte sur les noirs, car comme tous les hommes de son époque, on ignorait absolument tout, il ignorait absolument tout des civilisations africaines, il les méprise, ces hommes sont nus, stupides, cruels, et voués à la sorcellerie. Mais le regard qu'il porte sur la société, sur les petits bourgeois belges, qui constituent le cadre colonial, administratif belge, mérite encore aujourd'hui l'attention. Alors c'est un discours assez férocement anticolonialiste. Alors on ne peut pas dire qu'il soit anticolonialiste, car Simenon n'est pas un idéologue, mais en romancier de grand talent qu'il est, il sent immédiatement à qui il a affaire. Il a affaire, il le dit en toutes lettres, à une petite bourgeoisie médiocre, stupide. Des hommes qui s'ennuient, au cours des longues palabres qu'ils doivent présider dans les tribunaux indigènes, des hommes soucieux uniquement de gagner de l'argent, de rentrer très vite en Belgique et de vivre confortablement avec des femmes médiocres qui se font servir comme des marquises alors qu'en Belgique, elles seraient obligées de faire le ménage. Et alors, il y a surtout, s'il n'est pas anticolonialiste, il sent tout de même le ressort secret de la colonisation. Et il dit ceci que je voudrais lire, car c'est étonnant de perspicacité. Je crois que c'est un texte rare pour l'époque. Les administrateurs, administrer signifie d'abord lever les impôts, c'est ensuite réquisitionner des travailleurs à 30 centimes par jour pour construire les routes, c'est enfin faire des prisonniers pour entretenir le poste, les parterres, les chemins, les bureaux et les écritures. Comment se manifeste la guerre 40-45 au Congo ? Elle est d'abord une étrange mise entre parenthèses. Tous les points de référence, tous les canaux économiques, administratifs sont rompus avec la métropole. Cette mise en parenthèse s'accompagne économiquement d'une formidable activité liée à l'effort de guerre. Le cuivre, le cobalt, l'uranium, et puis le caoutchouc après l'entrée en guerre de l'Asie du Sud-Est. Donc il y a là une activité qui fonctionne très très bien. Le colon à blanc devient extrêmement important sur la lancée de son développement dans les années 30. Ce qui est frappant, c'est que l'on voit alors dans le corpus colonial surgir, pour la première fois, des œuvres romanesques qui ne sont pas des nouvelles ou des romans courts, mais qui sont des œuvres qui ont une ampleur beaucoup plus grande, qui prennent même parfois en compte déjà l'histoire du pays, peut-on dire, et qui donc restituent des strates de sa complexité. C'est évidemment surtout le cas de Mani, ce grand roman de Tonnoir, qui était par ailleurs un homme important, Léopoldville, qui brasse sur les bords du fleuve
différentes strates de la société coloniale, y compris les premiers coloniaux qui croient de l'époque héroïque, ceux qui sont déjà plus dans une phase administrative, et aussi les différents rapports que ces coloniaux ont par rapport aux Noirs et à la maîtrise des Noirs. Dans la littérature dite entre guillemets coloniale, c'est très amusant de se rendre compte que l'utilisation des sectes est généralement à des fins de terreur ou de pouvoir. Ici, pour la première fois peut-être, on parle d'une secte en tant qu'entité réelle qui laisse préfigurer une entité de pouvoir africain, mais qui pourrait être récupérée et manipulée par des Européens qui auraient compris le mode de fonctionnement de cette secte. Ce qui veut dire qu'il y a différentes sortes d'Européens qui sont en présence dans ce livre. Ah, de toute évidence. Bon, on a le tableau picaresque d'Européens, ivrognes, de missionnaires, enfin donc la panoplie complète de l'esprit colonial de l'époque, bien sûr. Mais malgré tout, parmi les personnages, il en existe deux, Brissac et Poutrel, qui semblent, eux, s'intéresser très près du mode de fonctionnement social de l'univers africain et qui semblent prêts à pouvoir le réutiliser à une autre façon. Mais je dis toujours bien qu'il s'agit dans ce cas-là d'utilisation à des fins personnelles et locales, avec une scission totale par rapport à la métropole. D'autre part, on voit très bien que le désir de s'implanter dans ce roman entre en conflit avec une identité métropolitaine, wallonne, représentée dans le roman par l'administration. L'administration exécrée qui intervient de manière ridicule à temps et à contre-temps dans le roman, mais qui finalement aura raison. Et à la fin de ce roman, qui ressemble assez fort à une citation de Madame Bovary, on voit que c'est l'administrateur stupide qui finit par avoir raison des forces réelles de la nation, en quelque sorte, de cette nation qui finalement ne peut avoir lieu, à la fois pour des raisons de circonstances, c'est-à-dire de réaffiliation à la patrie en danger au moment de la guerre, mais aussi pour des raisons qui tiennent à la politique générale de la Belgique au Congo, qui a consisté à ne jamais autoriser, en tout cas à ne jamais favoriser, une implantation durable des Belges qui avaient choisi d'y passer une partie seulement de leur existence. Il y a les textes qui reflètent les questions ponctuelles qui se posent pendant les années de guerre, mais il y a aussi les témoignages sur les aspects permanents de la colonisation, entre autres sur le système de la chicotte tel que l'épingle Henri Cornelius dans son livre « Koufa ». L'aspect donc dénonciation, par exemple le cléricalisme, les missionnaires bornés et parfois les violences corporelles qui existaient aussi dans le système missionnaire, ça fait des pages extrêmement cinglantes, puis-je dire, dans ce opportune. Livre. Et qui sont effectivement, à l'époque, font beaucoup de bruit. Il faut savoir que Cornelius, par exemple, après la publication du roman, a été attaqué par beaucoup de milieux d'obédience coloniale. On l'a même menacé de mort, c'est lui qui le dit. Et c'est vrai qu'il jetait un pavé dans la mare, dans un système qui, globalement, encensait l'œuvre colonisatrice. Mais il y a aussi la vision, c'est peut-être ce qui fait peut-être aujourd'hui l'importance du livre, d'un regard porté sur l'Afrique comme un monde qui n'est pas fait pour le blanc, un monde qui serait essentiellement dominé par une nature grouillante, une nature absolument dévorante. C'est assez incroyable, les pages, très belles d'ailleurs, d'un grand lyrisme, qu'il consacre à l'hostilité de la nature, dans la région d'ailleurs où lui-même a été, c'est la région du lac Léopold II, c'est ce qu'on appelle l'Équateur. Et c'est vrai que c'est un des coins du Congo qui était considéré comme les plus hostiles aux Blancs, à son mode de vie. Bon, moi je pense que ce livre a comme énorme qualité d'abord sa forme. J'insiste parce que en fait beaucoup de livres de la littérature coloniale ne sont pas d'une grande qualité littéraire. Et Koufa, au contraire, tient la route. C'est vraiment quelque chose qui a une force d'écriture tout à fait remarquable. Mais c'est aussi, bien sûr, ce regard de son personnage principal, Jean Potier, qui est un avocat parti aux colonies, non pas pour civiliser, mais simplement pour gagner un peu d'argent, et qui va échouer dans toutes ses entreprises. Mais ce regard de dégoût que porte Potier sur le système est aussi un regard d'inquiétude, de crainte, devant un monde qui,
semble-t-il, n'est pas fait pour l'homme blanc. Tout cela transparaît dans Koufa. D'ailleurs, le titre même est assez significatif, cela veut dire crève, c'est une injure, mais c'est aussi peut-être finalement l'idée que le Congo et donc l'Afrique est un monde de mort, un monde qui finit par aspirer ceux qui ont ces risqués. Alors là, je dirais que c'est une thématique exotique tout aussi discutable que celle d'autres. Par contre, le côté humaniste, le côté qui se révolte devant l'hypocrisie, devant le racisme ambiant, et c'est vrai que la plupart des personnages du livre ont des comportements et des propos, en tout cas, assez racistes, eh bien là, ça révolte tant le personnage, malgré ses faiblesses, que l'auteur, qui lui, est évidemment un démocrate, je pense. La société belge se trouve confrontée à ce qu'est une colonie et ce qu'est l'avenir éventuel ou supposé d'une colonie dans un contexte qui est celui d'une Afrique en voie de décolonisation. Renvoyée à elle-même, la société belge regardera ailleurs et en tout cas n'affrontera pas la question des élites qui permettraient à self-government d'abord et puis une éventuelle structure en forme d'indépendance, quelle qu'elle soit. Donc la question est à la fois rencontrée et pas rencontrée. Elle le sera sous forme de simulacre par ce qu'on appellera la politique des évolués. Un certain nombre d'indigènes sont littéralement immatriculés, ils sont méritants, ils répondent à tel et tel critère et ils entrent dans la catégorie dite des évolués qui, à moyen terme, sera identifiable, en tout cas juridiquement, à la population belge, et blanche en général. Donc voilà la fameuse politique des évolués. Quant aux élites, ben le principe, il est tragiquement et brutalement clair, c'est pas d'élite, pas d'ennui. Le Congo moderne, c'est une image, je dirais, c'est une image qui s'est formé progressivement après la guerre et qui a hanté les imaginaires et les représentations dans les années 50, principalement en Belgique à propos de la colonie, ce qui a culminé dans l'exposition de Bruxelles en 1958, mais aussi au Congo. On a pensé un pays en des termes essentiellement modernes. On voulait construire des buildings, on voulait des autos comme il y en avait ailleurs en Occident, et donc tout un discours qui consiste à désexotiser en quelque sorte l'Afrique. Nous ne sommes plus au temps des pionniers, nous ne voulons plus être considérés ni comme des broussards, ni comme des sauvages. Nous sommes des représentants aussi de la civilisation, alors en pleine expansion du point de vue économique après la guerre. Ici, on ne sent pas tellement, je dirais, le colonialisme, ou en tout cas pas la société coloniale dans toute son épaisseur, dans toute sa démesure. On ne sent pas vraiment le poids de l'histoire qui était pourtant écrasant à l'époque, qui dominait les individus, qui dominait largement leur comportement, et ça, que les individus soient blancs ou noirs. Effectivement, non. Je trouve qu'on ne sent pas tellement ça. C'est un peu comme une toile de fond un peu floue. C'est un décor dans lequel évoluent alors les trois personnages principaux de ce livre, que sont l'Américain Harry Wilson, Mama Malkia, la Congolaise, et le petit Léopold, l'enfant métis adopté. Donc ce Harry Wilson, pour moi, est un personnage emblématique, effectivement, parce qu'il a vécu toute sa jeunesse aux États-Unis, ailleurs donc, une jeunesse malheureuse avec un père qui le détestait, et finalement, on sent bien que ce passage d'un continent à un autre est pour lui une manière de refaire complètement sa vie, de repartir à zéro, de rebâtir tout autre chose, et finalement, ça nous rappelle quand même quelque chose du sort de beaucoup de colons, de coloniaux, qui sont allés là-bas, parce qu'ici, en fait, ils étaient très très mal partis dans la vie, c'est un peu le principe de la table rase, si vous voulez. La colonie était un peu comme une page blanche sur laquelle les gens, enfin beaucoup de gens qui allaient là-bas, espéraient réécrire complètement leur histoire, leur vie. Ça, certainement, oui. Avec toutes sortes d'équivoques, d'ambiguïtés, c'était une terre de... où tout était possible, y compris l'imposture, c'est ça en fait, y compris l'imposture et bien sûr le racisme, parce que les gens avaient tendance à vouloir être encore plus ou se considérer encore plus comme supérieurs parce qu'ils avaient eu des expériences où ils s'étaient sentis inférieurs certainement dans leur vie antérieure.
L'enfant métisse, en fait, qui est un des thèmes, enfin le métissage qui est un des thèmes de ce livre et qui est difficile à traiter en fait dans le contexte colonial puisqu'il y a tellement d'inégalités que le métissage est nécessairement quelque chose de relativement mal vécu. Mais le métissage, en fait, c'est un scandale dans la société coloniale parce que c'est l'enfant métisse, c'est montrer ce qu'il faut cacher. Et effectivement, il y a un épisode tout à fait intéressant dans ce livre. Ça se passe à Elisabethville, bien sûr, comme toute l'histoire. Il y a un soir une représentation théâtrale au stade de la ville. Il y a déjà un grand événement, c'est que le public est mélangé. Ce sont des blancs et des noirs, ce qui est tout à fait exceptionnel puisque le système colonial belge était un système d'apartheid. Et là, il y a une représentation, c'est une troupe noire. Le personnage principal, c'est Ève, la première femme, jouée donc par une noire qui est vêtue, si on peut dire, d'un maillot brun, couleur de peau. Et puis à un moment donné, elle se déshabille. Elle est nue et ça a fait un scandale extraordinaire, enfin c'est ce que raconte le livre, un scandale extraordinaire dans la bonne société coloniale d'Elisabethville. Le scandale, à mon avis, est très significatif de ce qu'était cette société, une société d'hypocrisie, une société de faussement puritaine, en fait profondément hypocrite, où le noir, finalement, si on est honnête, était considéré d'abord pour son animalité. L'homme, c'était du muscle, la femme, c'était du sexe. Et que tout cela soit brutalement dévoilé à travers cette pièce est intolérable pour les Blancs, enfin les Blancs, la plupart d'entre eux. Et ça fait bien rire les Noirs, parce que eux, de voir démasquer le fantasme du Blanc, évidemment, ils ne sont pas dupes, ça les amuse beaucoup. Et je crois que ça dit beaucoup de choses sur ce qu'était cette société, faite de malentendus, d'hypocrisie, d'injustice, et qui a fini par en mourir, finalement. Elle était invivable, quand même, cette société coloniale. Politique désévoluée, modernité du Congo, racisme, système d'apartheid, impossible métissage, brèche et prise de conscience qui vont conduire aux visées indépendantistes. C'est le climat qui prévaut dans les grands centres urbains. Qu'en est-il en brousse ? Frédéric François, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce livre ? Bien, je crois que c'est qu'il montre bien le portrait de l'ensemble de la société, noir et blanc, qui coexistaient, non pas dans les grandes villes, mais en brousse dans ces années 50. Et ces gens qui, à quelques années seulement de l'indépendance, se trouvaient eux encore à mille et mille lieues de cette indépendance. Ils n'étaient même pas, les Noirs n'étaient même pas indépendantistes. Et ça, je crois que c'est la principale leçon, peut-être que l'auteur a voulu laisser passer, peut-être aussi parce que l'auteur est blanc, et peut-être aussi parce que l'auteur lui-même espérait que ça se termina comme ça. C'est-à-dire pas vraiment l'indépendance, en tout cas pas l'exclusion des Blancs, mais une espèce, comme il dit dans son livre, d'interpénétration qui aurait permis une collaboration franche et honnête, le Blanc restant malgré tout le maître des cérémonies. Pourtant, il y a une insurrection. Il y a une insurrection, mais qui n'en est pas vraiment une, ou qui arrive tout à fait accidentellement. Bon, il y a d'abord un meurtre, le meurtre d'un missionnaire de la première génération. Et un colon de la première génération veut venger ce meurtre. Pas tellement pour venger le père qui a été tué, mais parce qu'il en a assez de toutes ces phrases qu'il entend. Oui, ce sera vite l'indépendance, oui, tout va changer, etc. Il ne veut pas de ça, il ne veut pas qu'on change son ordre établi. Et donc il se lance dans une répression aveugle, brutale. Et un jeune noir s'insurge contre cette répression. Il ne veut pas chasser le blanc, il ne veut pas créer une rébellion, il veut discuter, il veut, comme il l'explique très bien, qu'on prenne le noir en considération. Il sait, il croit savoir que le blanc est plus intelligent et donc que c'est lui qui doit continuer de diriger tout, mais il veut, dit-il, que le noir soit au moins considéré aussi bien que les animaux par les blancs. Mais sa palabre échoue et donc il se retrouve là où il n'a pas voulu arriver, avec tous les prisonniers, tous les blancs prisonniers dans une église. Et là commence alors un grand discours, beaucoup d'échanges. Et cet homme qui voulait la réconciliation, qui ne voulait pas l'indépendance, il obtient cette réconciliation et on en arrive à la fin, à ce que l'auteur souhaite peut-être aussi, c'est-à-dire tout le monde se fait la bise. Tout le monde se retrouve. Le vieux colon s'en va, il est remplacé par son fils qui est beaucoup plus ouvert et qui lui engage son ami, le chef de la rébellion, comme directeur du personnel. Et donc les choses peuvent durer comme ça, croit-il, pendant des siècles
et des siècles vitam aeternam. Les choses sont rentrées dans l'ordre, tout le monde s'entend bien, le noir est bien considéré, mais il reste à sa place et le blanc aussi. Il y a aussi les romans d'amour. En ces années où l'indépendance couve, les tentations et réalités sexuelles exotiques, ce teint d'anxiété et de morbidité, la page coloniale sera bientôt tournée. Le roman de Jeff Gerhardt se passe quelques années avant l'indépendance, entre 1957 et 1960 pour être précise. Période particulière donc, qui met les esprits à vif, sensibilisés par l'attente d'un événement qui désole ou réjouit, selon que l'on soit le colonisateur ou le colonisé. Le narrateur de Black Venus, qui est administrateur territorial, assistant, dit qu'au Congo, on peut vivre encore des choses inimaginables, et il va s'y employer. Il plonge avec fureur, dans toutes les délices offertes par les Black Venus, c'est-à-dire les petites déesses païennes, les jeunes filles noires, qui sont sveltes, souples, rieuses, qui trouvent que tout est bien, surtout le narrateur, et qui sont des sortes d'objets qui sont d'une sexualité extraordinaire. On se saoule d'amour et d'alcool, on évoque longuement le whisky et le vin de palme. On mange des nourritures délicieuses, le homard mayonnaise et le pigeon grillé sont des mets excellents pour stimuler l'activité principale du narrateur. Bref, c'est une fête païenne splendide. C'est la joie puissante de pouvoir se livrer à tous ses instincts sans cette éternelle culpabilité chrétienne. Mais cette fête païenne a des accents funèbres. Elle constitue une sorte d'adieu désolé à un monde que le narrateur va perdre, il le sait fort bien. Car on ne se libère pas aussi facilement de son propre monde, même si on le déteste. Face à l'Afrique noire, sexuelle et instinctive, le narrateur brosse des portraits terribles des Blancs, et notamment de sa famille. Attaque haineuse contre sa femme, charge féroce contre le clergé et des privilèges qu'il dit moyenâgeux, sortie virulente contre tous les conquérants qu'il présente toujours comme des prélats brodés d'or. Le narrateur va donc être un mari, un père, un fils aussi indigne que possible. Mais au bout du compte, cet homme qui consomme les femmes comme seul, me semble-t-il, un misogyne provocateur peut le faire, ce mâle à la puissance 10, ce compagnon de chasse d'Hemingway et frère en érotisme de Miller, nous a raconté une blessure, l'histoire d'une première blessure, il dit une première cicatrice, je ne suis pas sûre que cela soit cicatrisé, en tout cas la tentative d'une initiation. Parce que Black Venus, c'est un roman d'une initiation. Initiation à l'accouplement païen. Une question fondamentale traverse tout le roman de Jeff Gerhardt, c'est jusqu'où peut-on rejoindre l'autre ? Entre les années 50 et l'indépendance, les failles se creusent et les événements se précipitent. Il y a aussi ces bombes à retardement qui n'ont pas cessé d'exploser aujourd'hui. Découpage géographique et structuration des pouvoirs tels qu'ils ont été initiés par l'administration coloniale. Déjà durant la période léopoldienne, mais la Belgique coloniale reconduira le système. L'administration belge pour encadrer, situer, contrôler éventuellement les populations indigènes avait eu recours à des structures intermédiaires, les chefferies, qui sont soit des structures traditionnelles royales, soit des structures pseudo-traditionnelles de mode royal qui sont créées de toutes pièces pour les besoins de la cause. L'administration belge refonctionnera sur un modèle identique. Des unités coutumières sont censées être le relais entre l'administration et la population qui se trouve ainsi encadrée. Le problème est le problème de tout simulacre, puisque en gros ces unités coutumières sont fabriquées pour le besoin de la cause, sont,
sont une vision européenne appliquée à une réalité africaine qui, par sa complexité, échappe totalement aux besoins de rationalisation de l'administration coloniale. Qui dit simulacre dit explosion, violence, et les sources, les fondements de la balkanisation du Congo immédiatement avant l'indépendance, durant l'indépendance et depuis l'indépendance, se trouve dans cette politique belge et dans le caractère profondément de simulacre de cette politique. Il est prémonitoire parce que il a été écrit dans les années 60, donc on ne peut pas suspecter l'auteur de faire une prophétie. Or, il situe déjà le cadre de ce qui allait se passer, donc de ces problèmes entre la majorité Hutu, qui est une majorité opprimée, entre les Tutsis, qui sont les alliés de la colonisation européenne, les amis des Belges. L'auteur même, le héros du livre, a une amie Tutsi, fréquente ces gens, et à un ton un peu paternaliste, sinon méprisant, à l'égard de la majorité Hutu, donc, dont on peut comprendre donc qu'elle s'estime méprisée et qu'elle aspire à l'indépendance. Et le livre est prémonitoire aussi dans ce qu'il dit du fonctionnement de la justice. Le thème du livre, c'est le meurtre d'un Tutsi pauvre qui rentre chez lui, et c'est la recherche tout au long du livre de l'administrateur territorial belge qui essaye de retrouver le coupable de ce meurtre. Et il y a le conflit entre cette idée européenne de la justice, qui est peut-être aujourd'hui celle du tribunal international sur le génocide, de rechercher les coupables individuels et de leur infliger une sentence, et cette idée sous-jacente d'une justice collective. Et tout au long de l'histoire, on essaye de persuader le héros d'abandonner cette quête du coupable individuel, en lui disant « tu n'y comprendras jamais rien, il vaut mieux ne pas insister ». Alors c'est prémonitoire aussi, même dans l'argument qui est qu'à la fin les collines flambent, et les Hutus se sont soulevés et invoquent l'idée que leur chef Manzi a été tué et qu'ils veulent venger la mort du chef. Alors ce livre écrit en 1960 est vraiment surprenant, parce qu'on se demande s'il ne s'agit pas d'une allégorie avant la lettre de la mort du président Habyarimana en avril 94, que le génocide a soit disant voulu venger. Et c'est extraordinaire de le lire à 30 ans d'intervalle, et cela démontre finalement que le génocide d'avril 94 était déjà inscrit en filigrane dans l'histoire du Rwanda depuis la révolution de 1959. Dans ces années 60, il y a sans doute un effet d'incubation. Les récits du drame de l'indépendance vont en fait sortir de presse à la fin des années 70, et vont être très peu reçus par le public, puisque précisément ils témoignent d'une expérience qui est close. Ils arrivent après 68 et ils arrivent à un moment où on n'a pas encore fini, comme Belge, de digérer la pilule de la disparition mystérieuse de la colonie dans les conditions que nous savons tous. Alors je songe à ce niveau-là au livre de Grégoire Pessaret, Émile et le destin, qui se passe à la frontière du Kivu et du Rwanda, et qui se termine par l'indépendance du Rwanda et par la mort du protagoniste, mort tragique. Et c'est évidemment aussi le livre qu'on vient de rééditer de Reisdorf, dont le rôle a été essentiel au Rwanda-Urundi, qui est L'homme qui demanda du feu, dont nous prenons aujourd'hui conscience de l'importance, mais dont nous n'avions sans doute pas la même perception à l'époque, parce qu'il paraissait encore beaucoup trop imprégné par l'aventure coloniale, au moment où les élites intellectuelles de l'Occident étaient en fait branchées sur les problèmes latino-américains ou sur les problèmes du Moyen-Orient. Néanmoins, il faudrait se demander si, avant les indépendances, cette littérature était vraiment reconnue. Le cas de la Belgique est sans doute un peu différent de la France. Il semble bien qu'en Belgique, on n'ait jamais vraiment
réserver un accueil quelconque à cette littérature après, disons, les années 1920-25. Il semble que cette littérature n'ait jamais trouvé en Belgique un impact suffisant et sensible. Il suffit de s'en référer aux ouvrages, aux dictionnaires, aux histoires littéraires de l'époque pour s'apercevoir que, en réalité, ces littérateurs sont à peu près ignorés. Dans les années 70 et surtout dans les années 80, avec plusieurs romans, avec aussi le retour du thème colonial et du thème centrafricain dans la bande dessinée, effectivement, on a un retour sur la place publique des thématiques africaines. Il ne faut pas oublier cependant qu'il n'y a pas eu véritablement de coupure. En réalité, pendant 20 ans, les textes qui ont paru à compte d'auteur dans les circuits complètement ignorés du grand public. Ce qui est nouveau, c'est le retour de ces motifs dans des collections légitimes chez les éditeurs qui ont pignon sur rue. Ça, c'est l'événement nouveau qui apparaît progressivement et d'abord par des romans de la coopération, comme par exemple Le reste du monde d'Anna Jeuramis, Le cri du hibou de France Bastia, L'herbe naïve de la même France Bastia, la poésie d'Anne-François de Maistre, une série de productions de qualité qui viennent rappeler au grand public qu'il y a tout de même eu une histoire coloniale et qu'il y a en tout cas une présence encore aujourd'hui de l'Afrique dans l'évolution mondiale. Alors ce livre se situe en 1972. L'histoire est relativement simple. Il est à la première personne, autobiographique vraisemblablement. Une jeune femme professeure, apparemment dans l'enseignement moyen ou dans l'enseignement primaire, se rend au Burundi comme coopérante et rencontre un anthropologue français. Ils font à eux deux un drôle de couple. Ils se coupent en somme de la société du groupe des coopérants belges et puis vont à la recherche d'un masque hutu ou d'un masque bantou assez illusoire mais qui leur permet de décrire le pays et de faire quelques allusions aux zaïres qui se trouvent en face où ce masque devrait se trouver et où ils font allusion à la présence de rebelles moulélistes, ce qui situe l'action en 1972. Alors l'action en elle-même est sans grand intérêt, mais cela permet de décrire deux choses. La première, c'est la société stratifiée existant dans les pays ex-colonisés et se composant de trois, et je cite l'auteur, « mondes qui se juxtaposent ». L'auteur décrit donc le monde des Africains où, bien sûr, il y a les Tutsis et les Hutus et s'est rendu avec une certaine simplification exagérée. Il y a autre chose, c'est le monde des coopérants étrangers, disons belges, un monde qui vit à part, très souvent dans les hôtels. Elle se situe dans un hôtel que je connais bien. Elle ignore vraisemblablement le monde des coopérants d'un niveau élevé qui vit dans des villas, dans un monde fermé, fait de réceptions, de déjeuners et d'autres choses. Et alors, chose assez extraordinaire, le monde des nantis, des dirigeants, des commerçants qui ont de l'argent et qui est introduit dans son histoire parce que, à la recherche du masque bantou, il faut avoir des protections. Et on va chercher ces protections au niveau des ministères, de la présidence et des commerçants pour se rendre compte que toutes ces personnes se connaissent parfaitement. Et puis, en deuxième lieu, vient en fin d'ouvrage la genèse du conflit Hutu-Tutsi, où les Européens se trouvent marginalisés, et une description des massacres assez horrifiante, mais j'ai fait des recoupements auprès d'anciens qui se trouvaient dans la région à l'époque. Je n'y étais pas moi-même à ce moment-là. Et qui m'ont dit que cette description est très réaliste et que les réalités sont probablement même encore plus horribles que ce qui est décrit. Et puis, en fin de livre, une chose assez extraordinaire, l'auteur est chassé du pays, ce sont des choses qui arrivent, se retrouve à Bruxelles,
dans ce qu'elle dit elle-même, je cite, « un monde qui ne remplit pas mes rêves ni mes aspirations ». Et puis, elle se lance dans ce qu'on voit en perspective comme une vie relativement vide de sens, avec une grande nostalgie des couleurs, des odeurs, du climat africain, du soleil africain, ce qui caractérise de très nombreux coopérants et autres étrangers que j'ai connus. Une fois qu'ils ont goûté de l'Afrique, la vie en Europe n'est plus la même chose. Les premiers romans que l'on pourrait qualifier de coopération, c'est d'une part ce roman idyllique, encore qu'il y ait des éléments qui ne le soient pas, de Franz Bastiat, L'herbe naïve, et c'est sans doute le livre de Gérard Adam, L'arbre blanc dans la forêt noire, qui lui en plus est réellement un roman qui met en scène des coopérants, mais où là encore, ce qui sort comme dominant dans la narration, c'est quand même les traumatismes liés aux troubles du mobutisme et des révoltes intérieures du pays. Mais là, on est à la fin des années 80, et donc je dirais que le rapport entre le moment d'écriture de la fiction, de sa parution, et les faits qui sont narrés dans la fiction commence à se rapprocher. Lorsque le personnage du roman, Guilain de Sèvres, qui est un médecin coopérant, arrive en Kalibi, pays imaginaire, mais dont on reconnaît vite qu'il est l'image du Zaïre, il a cette réaction du Belge lorsqu'il débarque en Afrique la première fois. C'est d'abord d'être étonné par l'espace. Ensuite, il prend conscience que le temps se déroule autrement. Il est même parfois, selon ce qu'il ressent, tout à fait figé, à cause notamment de cette verdure qu'il y a partout. C'est que le pays se présente aussi sous un paradoxe de luxuriance d'une part et d'aridité d'autre part. Ces rapports avec les coopérants montrent vite qu'ils sont nécessaires, du moins dans un certain temps, de ces années fin septembre, début 80, pour maintenir notamment la présence médicale des soins, alors que le pays connaît des difficultés au niveau des routes, au niveau économique. Les coopérants sont donc nécessaires, mais c'est vrai que cette recherche qui est faite par des compagnies privées est beaucoup plus intéressée par le profit futur que par l'essor du pays dans lequel elles font leur recherche. La politique de calibisation, sous prétexte de retour à l'authenticité, va tenter d'obliger les paysans à recultiver leur café. C'est en fait plus une image à donner du pays à l'extérieur pour obtenir des subventions qu'un véritable retour à l'Afrique réelle. Et ces paysans ne parviendront pas, bien sûr, à recultiver ce café puisqu'ils ont d'abord besoin de vivre et de manger, eux. L'armée essaye d'imposer les choses, mais ça ne fonctionne pas non plus. On a alors ce mécanisme qui va s'implanter de plus en plus, de notables qui ont été nommés par le gouvernement central, qui cherchent une seule chose, c'est à s'enrichir sur place très vite, à avoir beaucoup plus de privilèges que de devoirs, et à disparaître une fois qu'ils se sont enrichis. Du coup, les opposants au régime, dont certains se sont enfouis à l'étranger, fomentent des révoltes avec des armées qui sont à eux, reviennent en portant un immense espoir, c'est vrai, mais on s'aperçoit très vite qu'ils vont réinstaller un pouvoir quasiment semblable. Alors moi, ce qui me semble qu'on pourrait dire des années 90, c'est que, comme pour le roman belge des années 60 d'ailleurs, les enfances africaines ressortent. Et elles ressortent avec une qualité d'évocation et une vibration tout à fait remarquable. Ici, on est devant des récits subtils, et je dirais comme en contrepoint, où la mémoire de l'Afrique éclaire et permet de mettre à distance la vie de l'adulte, généralement en Europe et plus généralement encore en Belgique. Ce sera très clairement, évidemment, la structure du livre de Marie-Claire Blémont, Black Lola,
Et ça l'est quelque part aussi dans le roman très touffu et très baroque de Lippert qu'est Mamiwata, désignation d'un symbole africain typique, celui de la sirène. Il est clair aussi, me semble-t-il, que l'évolution matérielle et organisationnelle des pays africains depuis une dizaine d'années a favorisé en Occident l'idée que auparavant cela avait pu être mieux. Et on est donc tenté par un certain révisionnisme qui consiste à suggérer, de manière plus ou moins innocente ou ingénue ou inconsciente selon les cas, qu'auparavant, le temps béni des colonies, au moins, avait apporté aux pays africains, par exemple, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, un bien-être et une certaine capacité administrative qui leur était profitable. Tout cela se passe de manière relativement inconsciente ou inavouée, de sorte que la porte semble ouverte à des nostalgies ambiguës qui sont assez détestables. Donc Mon oncle du Congo, c'est un roman journalistique de Liv Joris, qui est une Belge qui vit aujourd'hui à Amsterdam, qui a voulu repartir au Zaïre sur les traces de son oncle missionnaire au Congo. Il était parti comme missionnaire dans les années 20. Elle repart sur ce Zaïre un peu mythique, quelque part, de son oncle, de cette période coloniale. Et puis elle part aussi avec ses présupposés de jeunes tiers-mondistes, de jeunes qui a défendu les causes et qui est solidaire des Lumumba et des causes indépendantistes. Et puis c'est vrai qu'elle va être confrontée à un monde colonial, post-colonial, déclinant, engoncé dans ses habitudes, aussi dans ce pays qui devient léthargique, qui est en proie à une crise économique profonde, qui s'enfonce dans la somnolence, dans la débâcle, qui vit cette dictature larvée, cette répression insidieuse auquel elle va être confrontée, puisqu'elle va être arrêtée par les autorités zaïroises de manière tout à fait maladroite. Liv Joris est une journaliste, mais pas au sens habituel ou connu. Elle ne va pas dans les maisons de presse, elle ne participe pas aux cocktails, elle ne fréquente pas le monde diplomatique, elle ne va pas dans les hôtels pour journalistes, elle est anonyme et elle voyage avec une vieille valise, qui est d'ailleurs une valise de type missionnaire, comme son oncle, à travers tout le pays, en s'intégrant dans les populations et en prenant les moyens de transport du bord. Tantôt c'est une barge, tantôt c'est un camion, tantôt c'est une mobilette. Elle partage la vie des gens, elle loge là où elle peut, dans une mission, dans une case en forêt, enfin bon. C'est une manière d'appréhender l'histoire et les hommes qui est particulièrement prégnante et intéressante. Je trouve que c'est ça qui fait un peu l'originalité, non seulement de sa démarche, mais de son style, parce qu'on retrouve dans son style, dans son regard, dans la manière un peu affûtée, malicieuse, parfois un peu faussement naïve de son regard sur le pays, un don d'observation et de connaissance et d'intégration qui est superbe et qui s'inscrit dans une certaine tradition journalistique et une tradition de journalisme romancier, si on peut dire, de journaliste littéraire. Ce à quoi on assiste, c'est, me semble-t-il, à un trajet, sans doute construit par l'auteur, entre une position tiers-mondiste, je dirais, de gauche, qui s'apprête à faire le procès de la période coloniale représentée par le père, en l'occurrence l'oncle missionnaire. Et ce trajet conduit à une position toute différente, qui d'abord se justifie non pas par des idées, mais par la réalité, puisqu'il y a eu expérience de l'Afrique. Cette position vit en réserve, mais en tout cas, elle semble condamner le résultat concret de l'évolution politique des pays indépendants. En gros, je dirais que ce trajet représente assez bien, je pense, ou exprime assez bien l'évolution générale des mentalités occidentales qui, sans doute, ont officiellement sympathisé avec les causes nationalistes, mais qui, aujourd'hui, agressées par toutes sortes d'images de l'Afrique transmises par les médias et aussi par toutes sortes de réalités, s'interrogent. Et sans le moins du monde, je pense, sérieusement préparer un retour à des situations coloniales, déplore tout de même qu'aucun moyen ne se dessine
pour redonner corps aux rêves qui étaient ceux de la période des indépendances.